Le CESE était rentré dans une logique de construction après le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu un avis qui s'appelle « Fracture et transition » qui a mis un certain nombre de préconisations et aussi un certain nombre de recommandations pour le CESE lui-même, en particulier la nécessité de travailler la question de l'éducation civique au développement durable. Une question d'éducation et de participation autour du développement durable. Et cette mission a donc été confiée à la section éducation, communication et culture, et d'où le travail que nous présentons aujourd'hui. Alors il y a un constat sans surprise, qui est celui de l'urgence de la situation. Il y a un constat que je crois tout le monde connaît ou partage, qui est qu'il y a une sensibilisation très forte aux questions d'environnement aujourd'hui et une envie de se saisir de ces sujets-là, et une envie donc du coup de s'investir sur ces questions. Et puis un constat peut-être moins connu et que nous avons pu faire au cours de nos rencontres, de nos auditions, pardon, c'est que il y a un risque, il y a un risque important de désenchantement par rapport à la participation citoyenne. Parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de sollicitations et souvent l'impression pour les citoyennes et les citoyens qui s'engagent de ne pas avoir de retour sur leur engagement et de ne pas savoir en fait leur parole, est-ce qu'elle a été entendue, qu'est-ce qu'elle a pu induire comme éventuellement changement dans les projets. Et si on ne répond pas à cette inquiétude-là, le risque, c'est de voir se détourner de la participation, de l'engagement, les citoyennes et les citoyens, au moment où on en a le plus besoin. Il y a 18 préconisations donc, qui sont regroupées sur trois axes. Le premier axe, c'est autour de l'information, comment obtenir une information de qualité, une information qui, justement, donne envie de s'engager parce qu'on sait de quoi on parle. Il y a un axe qui est sur la formation, parce qu'en fait, on a besoin à la fois pour les citoyens qui veulent s'engager, mais aussi, par exemple, pour les responsables publics qui veulent mettre en place des dispositifs. On a besoin de savoir comment ça marche, la participation citoyenne, quelles sont la façon dont on peut aller chercher des publics qui ne viendraient pas naturellement. Donc, ça, une question de formation qui est importante. Et puis, enfin, un dernier axe qui est celui qui répond peut-être à l'interrogation qu'on peut avoir sur le risque dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le risque d'avoir ce recul par rapport à l'engagement parce que quelle suite est donnée, et c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour conforter la participation citoyenne avec un certain nombre de règles et de principes à mettre en œuvre pour que, encore une fois, les citoyennes et les citoyens se sentent reconnus dans leur engagement. C'est un point fondamental sur lequel nous insistons particulièrement. Alors, parmi les préconisations, il y en a certaines qui sont peut-être plus déterminantes par rapport à cette question de l'engagement des citoyennes et des citoyens. En particulier, il y a une préconisation que nous faisons sur pouvoir mettre en place, au niveau local, des indicateurs pour permettre de suivre l'évolution de la question des objectifs de développement durable sur un territoire donné. C'est une façon de permettre aux citoyennes et aux citoyens de se dire: là où je suis, là où j'habite, là où je vis, là où je travaille, je peux agir et mon action, je peux en voir son effet. Et c'est une première préconisation qui est donc dans l'axe information, mais une information construite par et pour les citoyens et les citoyennes sur un territoire donné. La deuxième préconisation importante à mes yeux, que nous mettons en avant, qui regroupe d'ailleurs, en fait, c'est un regroupement de préconisations autour des établissements scolaires et universitaires. Nous voulons que ces établissements deviennent des véritables lieux d'expérimentation, de mise en œuvre, d'évolution au point de vue environnemental et au point de vue du développement durable. Il s'agit bien de mettre en action, de permettre aux élèves et aux étudiants d'être acteurs de ces évolutions-là. C'est une façon de faire de l'éducation civique, mais telle que nous l'entendons, nous, dans la section éducation, communication et culture, et comme on l'entend au CESE, une éducation civique qui est une éducation de l'engagement. Et de ce point de vue-là, il faut qu'à l'école et à l'université, on soit moteur sur cette idée-là. Enfin, troisième préconisation qui nous semble importante à mettre en avant. C'est une préconisation qui a un objet un peu plus serré que d'autres préconisations, puisqu'on parle du débat public qui est organisé par la Commission nationale du débat public. Et dans ce cadre-là, nous disons qu'il faut mettre en œuvre un principe, le principe de redevabilité, qui est le principe qui donc permet
aux personnes qui ont participé de savoir ce qu'on fait de leur participation, de leurs propositions, de leurs remarques, de leurs objections. Et c'est le principe de redevabilité. Nous demandons à ce que, dans le cadre d'un débat public, on ne puisse pas passer d'une étape à une autre sans que ce principe n'ait été respecté. Mais bien entendu, la question de la redevabilité, ça n'est pas seulement au moment du débat public organisé par la Commission nationale du débat public, comme je le disais, partout finalement, à l'école, dans les relations avec les collectivités locales, dans l'entreprise aussi, partout, il faut que l'engagement, le débat, la participation soient valorisés. Et pour qu'elles soient bien valorisées, le principe de redevabilité est un principe essentiel. Alors, les objectifs du développement durable, donc, c'est bien sûr un engagement que notre pays a pris pour l'avenir, qui comporte des tas de domaines très différents, très variables. Mais notre travail nous a permis de constater aussi que ces objectifs étaient vraiment en synergie les uns par rapport aux autres. Qu'on avait des objectifs sur la démocratie, des objectifs sur l'environnement. Et finalement, que le lien peut-être entre tous ces objectifs, ce qui pouvait permettre de leur donner du sens, c'était bien la question de la participation citoyenne. Alors, en fait, c'est circulaire, cette affaire. C'est-à-dire que d'un côté, il faut développer la participation citoyenne pour que les citoyens se saisissent de ces objectifs et puissent, en quelque sorte, les faire vivre et puissent s'investir, s'engager sur ces questions-là. Et d'un autre côté, dans les objectifs de développement durable eux-mêmes, il y a cet objectif démocratique qui ne prendra tout son sens que si c'est une démocratie participative, une démocratie ouverte aux citoyennes et aux citoyens.